Au début, ça se passe très bien, mais je n'ai jamais aimé l'école, pour répondre à votre question. Je n'ai jamais aimé l'école. Les premières années de ce qu'on appelle la maternelle en France, c'était la tragédie. C'est-à-dire que je pleurais tous les jours. Before the primary school, Kindergarten, kindergarten, nursery school. nursery school. You That cried. was traumatic. C'était vraiment le trauma répété tous les jours. You remember this. Ah oui, ça c'était You terrible. hated it. C'était terrible. Et d'une certaine manière, ça n'a jamais cessé. Il faut dire que je n'ai jamais aimé l'école à n'importe quel âge, et même maintenant encore. Et Oh à God. chaque entrée scolaire, à chaque rentrée scolaire, en octobre, I was just crying. Même presque adulte, au début, ensuite je m'habitue, mais à chaque nouvelle rentrée scolaire, c'était un nouveau traumatisme et avec des larmes ou des larmes qu'il fallait retenir très très tard. Et je n'ai jamais aimé l'institution scolaire où j'ai passé toute ma vie, évidemment. Do you have an interpretation of why it was so traumatic and emotional until adulthood? Do you have any, I mean, if you reflect on it, does anything occur to you or Pour aller très vite au plus massif et au plus simple, je me rappelle que quand, à la maternelle, donc, puisque ça a été ça le prototype du traumatisme, hein. Ensuite, ça s'est répété de façon plus virtuelle, mais le prototype, c'était l'expérience à 4 ans de la maternelle. Et ça, c'était la séparation de la maison et de la mère. Quand ma mère m'a accompagné et m'a livré, elle est repartie, elle m'a livré à tous ces monstres d'abstraction qu'étaient cette maison, ces instituteurs, ces institutrices, j'étais perdu. Et je criais, je pleurais. Et je me rappelle que quand j'étais tout petit, je demandais ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, et les dames qui s'occupaient de moi m'ont dit, mais ta mère fait la cuisine en ce moment. Elle est à la cuisine. Et j'ai compris qu'il y avait dans cette maison, dans cette école, une cuisine quelque part où ma mère était là. Bon. Je me rappelle avoir pensé il n'était pas possible qu'elle soit rentrée à la maison et qu'elle était dans l'école, dans une cuisine, qu'il fallait que je la retrouve dans une cuisine. Bon. Et ensuite, tous les jours et pendant des mois, c'était tragique pour moi, ou traumatique, ou dramatique, d'aller à l'école. Et de me couper. Alors, bon, les schémas faciles, c'est la séparation avec la mère, de la maison. Il y a quelque chose comme ça. Un autre moment particulièrement intense de ce traumatisme, c'est la première fois où je suis venu en France, où à l'âge de 19 ans, je suis venu en France à l'âge de 19 ans pour la première fois, où j'ai été tout d'un coup enfermé au lycée Louis-le-Grand comme boarder, c'est pensionnaire, Border. boarding. Et tout d'un coup, à l'âge de 19 ans, je me suis trouvé dans la situation dans un pays étranger, à Paris, après un voyage de 2 jours, bateau, train, etc. Je me suis trouvé enfermé dans quelque chose qui était comme une école. Et ça a réveillé les souvenirs traumatisés de l'école maternelle, j'avais l'impression que tout d'un coup j'étais coupé de. Et ça a été très 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 difficile. Bon, ensuite je dominais la chose, bien sûr. Et même maintenant, quand j'entre dans une institution, dans une université, quand j'entre dans un lieu scolaire, académique, institutionnel, j'ai une sorte d'angoisse, au moins.